camarade. Menace neutralité, terminée. Fausse alerte. D'accord, merci. Intervention suivante, porte de Brandebourg. Un colis abandonné cherche son propriétaire. Tiens, tiens. On surveille plus de 350 personnes jour et nuit dans tout Berlin. Des djihadistes, des mosquées, des lieux publics, des cafés, toutes les lignes de métro et ainsi de suite. On n'accorde plus aucun congé. On travaille jusqu'à 24 heures d'affilée. On manque vraiment de personnel. Le ministre doit rencontrer son homologue américain aujourd'hui. Si vous le souhaitez, bien sûr, comme si on pouvait se permettre d'attendre que le ministre nous donne... Pardon, je vous ai coupé la parole. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai été informé d'une menace imminente par d'anciens contacts. Ils n'en savent pas plus pour l'instant, mais nos collègues de Londres ont une information intéressante. Une conversation téléphonique avec des allusions à un lieu public dans Berlin. C'est censé se produire dans les 24 heures. Alors vous êtes autorisé, je cite le ministre, à employer n'importe quel moyen. En toute discrétion, cela va de soi. On ne pourra jamais couvrir toute la ville. Faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelque chose à fêter? Bah, je me suis dit qu'il nous restait plus que 2 jours. Après, on pourra plus trop prendre le petit déjeuner ensemble. Maman, je vais vivre à Neukölln, pas à Marrakech. Ouais, mais il faudra qu'on s'organise pour se voir. On se verra régulièrement, t'inquiète. Oui, j'espère bien. Mais ce sera plus comme avant. Oh, tu m'as préparé mon muesli préféré. Cool, merci. Au fait, est-ce que Khalid pourra venir demain à l'anniversaire d'Anna? Il a pas commencé ses cartons pour le déménagement, il est en stress total. Maman, je peux encore t'emprunter ta carte de bibliothèque? Il faut que tu te décides à t'en faire une. Tu peux pas passer ton temps à aller et venir au ministère de la Justice avec la mienne. C'est la dernière fois, s'il te plaît. Dès demain, tu te fais faire une carte. Promis, juré. Merci. Alors, comment tu trouves le muesli? Je sais pas, attends. Oh merde, Khalid. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut que j'y aille. Mais comment ça, tu t'en vas déjà? Marie! Merci pour le petit-déj. Marie! Comme vous le savez sans doute, le ministre de l'Intérieur, Andreas Raumer, vient de porter l'état d'alerte terroriste à son niveau maximal. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Pour en savoir davantage, nous allons... Est-ce que c'est bon ou mauvais signe de trouver le président de la cour d'appel de Berlin en bas de chez soi? J'allais à l'aéroport et avant, je voulais te parler. Ok. Ce n'est pas encore officiel, mais je suis nommé au tribunal constitutionnel. Bravo. Ouais. Mes félicitations. Par conséquent, le ministère cherche un nouveau président pour la cour d'appel. Ou une présidente. Je peux leur parler de toi? Ça t'intéresse? Oui. Au nom du peuple, la Cour rend le verdict suivant. L'accusé est coupable de divulgation illicite de documents confidentiels. En conséquence, la Cour le condamne à une peine de 100 jours amende à 120 euros.
Il devra également assumer les frais de procédure et l'ensemble des dépenses annexes. Asseyez-vous pour écouter les motifs du jugement. Monsieur Enskine aimerait vous parler. Monsieur Enskine? Bon, très bien. Donnez-lui un rendez-vous pour la semaine prochaine. Il est là, il assiste pour vous parler. Est-ce que vous n'avez pas honte? Ça va aller. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Enskine? Vous savez ce que signifie ce jugement pour la liberté de la presse? Il faut bien reconnaître qu'en faisant ces révélations sur les agissements des services secrets allemands, vous nous avez rendu un service énorme. C'est une attaque sans précédent contre les journalistes. Vous semblez oublier que vous avez cité à plusieurs reprises des dossiers d'enquête confidentielle. Qu'est-ce que c'est, cette peine? Vous n'avez pas cherché à rendre la justice, mais seulement à me condamner. Oh non. Johannes? Il y a quelques minutes, juste derrière moi, un bus de la ligne 200 a été entièrement détruit par une violente explosion. Les secours sont débordés. Le bus transportait de nombreux touristes. Je te fie, prends toujours cette ligne-là. Salut, vous êtes bien sur le portable de Chéchi. Rappelez-moi. Messagerie? Calmez-vous, Yolande. Le réseau est saturé, j'arrive à joindre personne. Vous n'arriverez pas à la joindre. Respirez doucement, essayez de vous calmer. Écoutez-moi, respirez tranquillement, Yolande. Respirez, on inspire, on expire. Il me faudrait un sac. Il y en a un ici, donnez-le-moi. Du calme. Vous allez respirer dans ce sac. Respirez. Allez-y. Doucement. Inspirez et expirez. Doucement. Essayez de reprendre votre souffle. Continuez. C'est bien. Voici des images amateurs de l'explosion qui a frappé le cœur de Berlin cet après-midi. Le bilan provisoire s'élève à 7 morts, dont un enfant. 40 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont certaines dans un état grave. La police scientifique recherche actuellement des indices sur le lieu du Elle est souvent injoignable. T'as qu'à appeler Khalid? Non. Elle va me prendre pour une mère poule qui supporte pas qu'elle ait déménagé. Elle va bien finir par appeler. Enlevez-lui ça.
Heinrich Bohr, Becker. Madame Seberg, où est votre fille? Marie? Qu'est-ce qui se passe avec Marie? Elle est impliquée dans l'attentat à la bombe. Elle est en fuite. Je vous repose la question. Où est votre fille? Elle est blessée. Est-ce que Marie est blessée? Vous êtes placée en garde à vue. Quoi? Non. C'est pas possible. Oui, chérie. Regarde dans le frigo, en haut à gauche. Oui, j'attends. Je me demande si on se tire pas une balle dans le pied, vu la situation. On a affaire à une juge. C'est interdit de fumer, Heinrich. Super, parfait. À plus tard. Salut. Voilà son avocate. Ça va pas arranger les choses. Madame droit de l'homme en personne. C'est pas le moment de se décourager. Allez, on y va. Comment vous vous êtes connu? Il a commencé ici, il y a 15 ans. C'était mon meilleur homme. On a bossé en étroite collaboration. Puis il a été muté à Washington. À Washington? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il veut pas en parler. Madame Seberg, votre fille était sur les lieux de l'attentat, avec Khalid Ranaslan. Est-ce que Monsieur Ranaslan est le copain de votre fille? Il est avec elle? Non, il est mort. Ces dernières semaines, vous avez effectué plusieurs gros retraits en liquide sur votre compte en banque. Pourquoi? Marie déménage et elle doit payer une caution, acheter un lave-linge. En liquide? Oui. Mais il y a certainement des reçus. Dans ce cas, on aimerait beaucoup les voir, ces reçus. Écoutez, pourquoi elle devrait prendre la fuite ou se cacher je ne sais où? C'est complètement absurde. Votre fille est bien partie en Hongrie. En Hongrie? Alors vous avez surveillé ma cliente? C'est la vidéosurveillance de l'aéroport. Ah bon? Et pourquoi les images ont été conservées si longtemps? La Hongrie. Je vois. Pourquoi avez-vous retiré 15 000 euros avant ce voyage en Hongrie, Madame Seberg? Bon, d'accord. On va discuter de tout ça, point par point. De tous vos motifs de suspicion. De tous les indices dont vous disposez. Et ensuite, quand cet énorme malentendu sera enfin dissipé, alors vous me direz ce que vous savez. Bien, on va faire ça. Moi aussi j'ai des enfants, deux garçons. Donc je n'ai aucun mal à imaginer ce que vous éprouvez en ce moment. Ma fille et moi, on est allés en Hongrie pour se faire soigner les dents. Très bien. Mais tout cet argent, en billets, dans un sac à main, en Hongrie, pour des soins dentaires, Ma cliente n'a pas à s'exprimer sur ce sujet. Ça ne me dérange pas. Vous avez raison, c'était imprudent. Le directeur de la clinique dentaire a fait du trafic de faux passeports. Je ne le savais pas. En mai, vous avez téléphoné au Pakistan. Vous avez appelé qui? Quoi? C'est sûrement une erreur, j'ai jamais téléphoné au Pakistan. Vous avez juste un numéro ou la conversation a été enregistrée? On n'a que le numéro. Alors rien ne vous permet d'affirmer que c'est Madame Seberg qui a téléphoné? Vous êtes au courant que votre ligne personnelle a été utilisée pour passer des appels au Pakistan? Non. À aucun moment, ça ne vous a étonné qu'un numéro pakistanais apparaisse soudain sur vos factures? Vous épluchez toujours vos factures, vous? Bah oui.
Votre fille est bien allée au Pakistan l'année dernière. Non, elle est allée en Inde. Mm-hmm. Vous en êtes certaine? Oui. Et comment pouvez-vous en être certaine? Si elle était allée au Pakistan, elle me l'aurait dit. Madame Seberg, avez-vous du mal à dormir en ce moment? Écoutez, ma cliente est prête à coopérer, mais là, ça va trop loin. Excusez-moi, je reformule ma question. Mm-hmm. Pas de problème. Pourquoi vous a-t-on prescrit des somnifères, Madame Seberg? Comment se fait-il que vous ayez interrogé son médecin? Non, sa carte d'assuré social nous a suffi. Pourquoi prenez-vous des somnifères? Rien ne t'oblige à répondre. Continuez. C'est bien votre fille? Pourquoi est-elle allée au ministère de la Justice quelques heures avant l'attentat? Pour faire des recherches à la bibliothèque pour un exposé. Elle fait des études d'islamologie. Oui, pourquoi va-t-elle à la bibliothèque du ministère de la Justice? Il n'y a pas de bibliothèque dans son université? Bien sûr que si. Mais elle est moins fournie que la nôtre. Écoutez, je suis tout à fait consciente que ce n'était pas très... Comment elle a fait pour obtenir pas une carte? Pas très malin. Elle a utilisé ma carte, je lui vous ai prêté la mienne. Vous savez que votre fille s'est abonnée à la lettre d'information d'un groupe salafiste? Et alors, ça ne fait pas d'elle une terroriste? Est-ce que vous avez quelque chose de concret à reprocher à Marie Seberg, en dehors du fait qu'elle se soit rendue dans cette bibliothèque sans y avoir été autorisée? Cette newsletter contenait des messages codés destinés à des agents dormants. Avant-hier, entre 17h32 et 18h46, 5 de ces messages codés ont été envoyés. Or, il se trouve que votre fille... Vous n'avez donc rien de concret à lui reprocher. Votre fille était parmi les destinataires, et le ministère de la Justice figurait sur la liste des cibles. À quel moment votre fille s'est-elle tournée vers l'islam? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle s'est rendue plusieurs fois dans une mosquée avec son copain. Sérieusement, vous n'étiez au courant de rien? J'ai quelque chose à vous montrer. Vous connaissez cet homme? Les autorités britanniques sont persuadées qu'il a recruté à Londres pour la milice djihadiste. Qui a tourné ces images? Nos hommes. Qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit? Ils suivaient les suspects. On n'entend rien. Pourquoi il n'y a pas de son? Ils étaient trop loin, malheureusement. Faites-moi voir la suite de la vidéo. Je veux voir la suite, s'il vous plaît. Vous avez laissé un terroriste armé d'une bombe se balader dans Berlin. Vos insinuations sont vraiment stupides. Deux de nos hommes ont été tués dans l'attentat. Madame Seberg, est-ce que vous allez enfin vous décider à nous dire où est votre fille? Peut-être que vous connaissez un endroit où elle aime bien aller. Une cabane dans la forêt. Une maison de vacances. Quelque chose comme ça. J'ai besoin de faire une pause. Ouais, d'accord. Elkay? Oui. Tu as besoin d'aide? Non. Non, ça va aller. Tout va bien. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où ma fille pourrait être. Et même si vous ne me croyez pas parce que vous pensez que je suis partiale, il est absolument inconcevable que Marie puisse être une terroriste.
Et maintenant, j'aimerais rentrer chez moi. Non. On cherche votre fille. Vous la cherchez ou vous la traquez? Messieurs, les charges sont bien maigres. Vous voulez vraiment envoyer Madame Seberg en détention préventive parce qu'elle a prêté sa carte de bibliothèque? Pourquoi j'ai rien dans le dossier sur le voyage de la fille au Pakistan? C'était une supposition. C'est toi qui m'as appris ça. Seberg ne sait rien. Si. Elle sait des choses. Et elle va faire des erreurs. Qu'on va exploiter. Toujours son écharpe. Bon anniversaire. C'est le cadeau que Marie devait t'offrir. Anna Bittner, sa meilleure amie. Pas de la parano. Relation d'aide aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Comment Koenig a pu avoir l'autorisation aussi rapidement pour la vidéosurveillance? Il n'aurait jamais obtenu un mandat pour surveiller mon appartement. Marie s'était inscrite sur un horrible site internet salafiste. Elle veut devenir journaliste. Il faut chercher l'info où elle est. T'es conscient que ce que t'enregistres n'aura aucune valeur devant le tribunal? Tu sais qui tu observes jusque dans ses chiottes? Tu crois qu'elle va se laisser faire? Commence déjà par t'asseoir. Et bois un café. Sans sucre, c'est ça? Non, merci. Pour qui tu te fais du souci? Pour moi? Pour les collègues qui prennent des risques à cause d'actions de ce genre. Tout est arrangé. Ça veut dire quoi? Ah ok, tu crois que je vais sortir d'ici en me disant « C'est vraiment un bon ce Richard. Il est parti quelques années, mais il est de retour. » C'est quand même étrange. Personne ne dit jamais le moindre mot au sujet de son domaine de compétences ou au sujet de ses attributions, mais quand Richard dit qu'il n'a pas besoin de mandat, c'est comme ça et pas autrement. Heinrich, il faut savoir qu'ici, rien n'arrive par hasard. Tu t'es absenté. Et t'as eu plein de problèmes. Tu es allé à l'hôpital pendant 3 mois. Ouais. Ensuite, t'es revenu et t'as tout de suite repris la tête de ton ancien service. Tu t'es jamais demandé pourquoi? Thank you.
Moi, en tout cas, je te suis très reconnaissant. Leïla, salut. Comment ça? Deux des personnes tuées dans l'explosion ont été identifiées. Il s'agit des terroristes présumés Yassi Hachmoui et Khalid Ranaslan. L'Office fédéral de la police judiciaire, le BKA, recherche activement une troisième personne suspecte, Marie Seberg, une citoyenne allemande de 21 ans aux cheveux châtains et aux yeux marrons, mesurant 1m 67. Toute personne détenant des informations... Elle était tellement bizarre, ces derniers temps. Elle devait être un peu stressée. Un peu stressée? À l'idée d'emménager avec Khalid. Moi aussi, j'imagine des millions d'hypothèses. Mais c'est pas la peine de te rendre malade. Elle est allée à plusieurs reprises, dans une mosquée. Elle fait des études d'islamologie. Mais peut-être qu'avec l'argent, elle a... Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas su déceler! Anna, il y a deux journalistes devant ma fenêtre. Regarde en bas. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Je t'attends ici, d'accord? D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, Amira. Je suis tellement désolée. Il vaut mieux ne pas s'étendre le dessus. Il l'a dit à Richard, il n'aurait pas dû. Pourquoi pas? Après tout, il fait partie de la famille. Khalid n'était pas un terroriste. Mon fils n'était pas un terroriste. Ils sont tellement gentils. Je sais. Il était adorable, il avait le cœur sur la main. Je sais bien, Amira, je sais. Je sais. Marie est revenue chez toi? Je sais toujours pas où elle est. Amira, est-ce que tu sais pourquoi Khalid est allé à la mosquée avec elle?
Marie avait toujours plein de questions. Et l'imam avait toujours de bonnes réponses. Donc elle a même parlé avec l'imam. Et qu'est-ce qu'elle... À vrai dire, je n'en sais rien. Mais l'autre jour, Khalid a dit... Marie, il faut toujours qu'elle pose tout un tas de questions. Oui. Peut-être que quelqu'un de la mosquée sait où elle pourrait être. Ou les copains de Khalid. Ashmoui n'était pas un bon ami. Ashmoui? Marie le connaissait? Est-ce qu'elle a parlé avec lui? Attends, j'ai besoin de prendre l'air. Viens, on va sur la terrasse. D'accord. Ashmoui n'était pas un ami de Khalid, c'était son cousin. Il a toujours eu de mauvaises idées en tête. Mais qu'il fasse une chose pareille, non. On n'a jamais cru que c'était possible. Khalid pensait qu'il devait juste l'aider à trouver une voiture. Et Marie? Marie voulait parler avec lui. De quoi? Tu te souviens quand c'était? La semaine dernière. Le part de formateur, elle a pas le droit de me virer comme ça. Zahma, comment je vais trouver du son travail? Son formateur l'a appelé tout à l'heure pour lui dire qu'il était viré. Il n'a pas le droit de faire ça. Moi, j'ai rien fait, moi, c'est dégueulasse. Bon, d'accord, peut-être que Marie a parlé avec Ashmoui. Et alors, ça veut dire quoi? J'en sais rien, mais en tout cas, ce sera utilisé contre elle, notamment devant le tribunal. Et pour toi, ça veut dire quoi? Vous feriez mieux de passer par l'arrière-cour, et nous deux, faudrait qu'on s'appelle un de ces quatre. Ferdinand? Je peux entrer? C'est pour toi, une petite douceur. Merci. C'est gentil. Il y a du nouveau? Écoute, cette affaire est relativement complexe. Et je pense qu'elle exige la plus grande prudence de ta part. Oui. Il vaudrait peut-être mieux que tu restes chez toi un moment. Tu veux me suspendre, c'est ça? Oui. Non. Je ne veux pas, j'y suis obligé. Dans l'intérêt du tribunal et dans ton propre intérêt. Il faut se rendre à l'évidence. Aux yeux de l'opinion publique, tu n'es plus objective. Tu n'es plus la juge impartiale, tu es devenue la mère d'une terroriste. Tu n'as plus aucune légitimité pour rendre la justice. Je te propose d'attendre un peu que les choses se tassent. D'accord. Et... ça suffit comme ça. Fais ce que t'as à faire, mais te pointe pas ici avec ton cadeau ridicule et ta fausse compassion. Attends, tu peux faire un pas en arrière? Le parquet a grincé. C'est un vieil immeuble. Non, non, Marie a toujours eu une cachette. J'avais complètement oublié. Putain, j'hallucine. Heinrich, viens voir, vite! Regarde. Oui, allô? Marie est bien allée au Pakistan. Donc le policier avait raison. Et que je vais m'en griller une dehors. D'accord. Tu viens avec moi? Viens. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? Je connais même pas le type avec qui elle est partie. J'aurais dû essayer de parler plus avec elle. Et lui poser plus de questions. Il s'appelle Rachid.
Rachid, c'est un journaliste. Ah, alors elle te l'a dit, à toi. Elle l'a rencontré en Inde, à Delhi. Et comment ça se fait qu'elle m'ait rien dit? Oh, ce type l'impressionnait. Peut-être qu'elle était même un peu amoureuse de lui. Et c'est avec lui qu'elle est allée au Pakistan? Elle est partie de Delhi avec lui et quelques autres personnes. Avec de parfaits inconnus, alors? C'était seulement pour 2 semaines. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? J'en sais rien. Elle s'est juste laissée embarquer. Elle s'est laissée embarquer, tu dis? Et quelques mois après, elle se retrouve impliquée dans un attentat? Excuse-moi, Elke. Je sais que j'aurais dû t'en parler, mais je voulais pas qu'elle se sente trahie. Est-ce que tu sais où elle est allée? Est-ce que tu sais avec qui elle était? Ou bien si elle était avec des islamistes? Non. Elle m'a promis qu'elle te dirait où non, elle allait. Non, t'en sais rien. Ou non, c'était pas des islamistes. Mais arrête de flipper. Marie n'est pas devenue une terroriste juste parce qu'elle est tombée amoureuse d'un type bizarre. Ah bon? Et comment tu peux en être certaine? Tu veux dire que tu la connais mieux que moi, c'est ça? Oui, peut-être. Peut-être qu'elle l'a dit à moi et pas à toi parce que... Parce que quoi? Oh, parce que j'étais pas assez présente pour elle. Je crois qu'il vaut mieux que tu t'en ailles. Oh, elle que... Je crois qu'il vaut mieux que tu t'en ailles. Je suis vraiment désolée. C'est qui? Heinrich Bohr, Madame Seberg. Vous ne pouvez pas appeler avant de passer. Je peux entrer? Bien sûr, je vous en prie. Alors, comment ça va? Oh, très bien. Et même mieux que jamais. Oui, pardon, c'est une question idiote. Si vous voulez encore fouiller chez moi, il vous faut un nouveau mandat de perquisition. Vous avez sûrement d'autres lettres de Marie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous trouviez des indices dignes d'intérêt, vous nous le diriez. Qu'est-ce que vous faites ici? On devrait essayer d'enterrer l'âge de guerre. On va devoir coopérer si... Non. Votre visite a un but bien particulier. Si on veut retrouver Marie et élucider cette affaire. Vous connaissez les méthodes des enquêteurs, n'est-ce pas? Oui. Oui, vous avez raison. Si j'entends quoi que ce soit ou si un détail me revient, je vous appellerai. Au revoir. Au revoir.
C'est dingue, leur jeu est de plus en plus rapide. À leur âge, les entraîneurs leur apprennent déjà le run and gun. Tu trouves pas ça intéressant? Les joueurs ne lancent plus le ballon vers l'endroit où est leur partenaire, ils le lancent vers l'endroit où ils se dirigent. Ouais. À quoi tu joues avec Seberg? Tu lui as quasiment mis le nez sur les caméras. Elle a trouvé des photos et des lettres de sa fille, ça peut être intéressant. Épargne-nous sa pitié. Heinrich, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Beaucoup, et tu le sais. Mais pour être franc avec toi, parfois on dirait que t'es figé dans le passé. Quand on voit la vitesse à laquelle tout a changé, il y a des menaces nouvelles et complexes, comme les djihadistes, les néo-nazis, les hooligans, la cyberguerre, l'espionnage économique et tout ça. Des menaces qu'on est forcé de prendre en compte dans notre travail quotidien. Il faut qu'on change notre façon de penser de A à Z. Il faut qu'on suive une toute nouvelle... qui était sur ceux qui étaient déjà passés à... Alors qu'aujourd'hui, on doit rechercher des suspects qui pourraient passer à l'action. C'est là qu'est le changement de paradigme. Quoi, tu voudrais qu'on fasse comme les Ricains? C'est complètement absurde. Par où tu veux commencer, dis-moi? Avec plus de 80 millions d'habitants. Oui, c'est absurde, peut-être. Mais c'est la seule solution. Et au ministère, qu'est-ce qu'ils en pensent? Au ministère, eh bien... Au ministère, personne ne comprend pour quelle raison je persiste à vouloir travailler avec un homme qui, malgré son sevrage prétendument réussi, planque 2 bouteilles de whisky dans l'armoire de son bureau. Ça, personne n'arrive à le comprendre. Allez, à plus. Khalid et votre fille étaient sur le bon chemin. Est-ce que je dois en conclure qu'elle s'était convertie? Non, mais elle est venue prier ici. Il y avait de nombreux doutes qu'il a travaillé. Et l'islam avait quelques réponses à lui apporter. Ça ne doit pas vous effrayer. C'est incroyable, on est persuadé de bien connaître son enfant. Et un beau jour, on se rend compte qu'il a plein de secrets. J'ai moi-même des enfants. Il est parfois difficile de l'admettre, mais ils n'en font qu'à leur tête. Ils ont leur libre arbitre. Le Coran prêche exactement les mêmes valeurs que la Bible. L'amour du prochain, la tolérance, le sens de la justice, la paix et la bonne entente. Les terroristes qui ont déclenché leur bombe dans un bus rempli d'innocents il y a quelques jours se réclamaient aussi du Coran. C'est une catastrophe que la violence d'une minorité salisse l'islam et toute la communauté musulmane. Et il est désolant que nous soyons constamment obligés de clamer notre innocence. Ashmoui est venu ici. Et il a probablement écouté vos prêches. On ne peut pas lire dans les pensées des gens. Si j'avais su, je l'aurais dissuadé de passer à l'acte. Vous savez, je crois que c'est à cause de lui que Marie s'est mise à fréquenter des milieux radicaux. Je me suis dit qu'elle se cachait peut-être chez l'un de vos fidèles. Non, ça m'étonnerait. Veuillez m'excuser, j'ai un rendez-vous. Non, attendez, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous aider.
Et quelqu'un doit bien savoir quelque chose sur elle. Allah ma'ak. Seulement jeter un petit coup d'œil. Oui, ce sera rapide. C'était le 25. Je l'ai. Vous pouvez faire avance rapide? Oui, bien sûr. Faites voir ce passage. Je peux vous renseigner? Bourg, Bécard. Oh putain. Elle vient d'où cette vidéo? Elle doit être sur un serveur ou sur un disque dur. Où est-ce qu'il est? Notre serveur est juste là. Attendez! Il vous faut pas une autorisation officielle pour faire ça? Hé! Hey! Merci. Hé, passe vite! Lâchez-moi! Venez par là! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, lâchez-moi! Sur quelle base juridique vous vous permettez de m'embarquer comme ça? Vous me faites mal! Vous a dit de venir ici? Personne! Si, vous mentez! Non! Tout ça commence à déraper très sérieusement, alors vous allez... Vous parler en pointant une arme sur moi? Ce sont vos hommes qui ont enlevé ma fille! Non, qui l'ont déportée! Et maintenant, c'est vous qui allez me répondre! Où est-ce que vous l'avez emmenée? J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Avant de voir ces images, j'étais persuadé qu'elle était en fuite. Qui étaient ces types sur la vidéo? Koenig, ou du moins ces hommes, étaient sur place. Ils ont bien dû voir quelque chose. C'était les hommes de Koenig. Alors vous devez les connaître. Non, je ne sais pas qui c'est. Koenig recherche Marie. J'y comprends rien, ça n'a absolument aucun sens. Si. Il la retient prisonnière pour l'interroger. Sortez par derrière. Laissez-moi quelques minutes d'avance. Et jetez votre portable. Suivez-moi. Thank you.
c'est moi qui l'ai fait venir. Anna, je suis vraiment désolée. Je me suis... Je sais pas... T'avais raison pour les... T'avais raison pour les micros et les caméras. Et pour tout le reste. Maintenant, je sais ce qui est arrivé à Marie. König la retient prisonnière. Anna, je suis vraiment désolée. Oh. Excuse-moi. Ça, t'en fais pas, ça va aller. Donnez-moi vos téléphones. Il faut les éteindre, éteignez-les, enlevez la carte SIM et donnez-les-moi. Oui. T'as ton ordinateur? Oui. Coupe l'accès réseau. Faut surtout pas te connecter à Internet. C'est sans doute une opération secrète dont le BKA n'est pas informé. Bourg pense que c'est König qui est derrière tout ça. Parce que tu lui fais confiance? Il m'a laissé partir alors que j'avais vu ces images. Il veut mener sa propre enquête. Et qu'est-ce qui se passe s'il retourne sa veste? Ou s'il fait un faux pas? Il connaît les visages, mais il donne pas de nom. Je peux contourner le blocage, mais ça va éveiller les soupçons de König. Tant pis, laisse tomber. Ok. Bon, faut qu'on ait une discussion. Dans quoi tu m'entraînes ? Je viens de voir König, il m'a demandé où t'étais. J'ai pas su quoi lui dire. Il a laissé entendre que tu bossais étroitement avec lui, qu'il y aurait bientôt une restructuration et que chacun devait décider s'il restait ou s'il préférait être muté. Et tu comptes rester? Tu collabores avec lui ou pas? Il faut qu'il le croie. Il a de quoi me faire virer. Qu'est-ce que t'as à te reprocher, Heinrich? Heinrich, écoute, tu peux pas. En tout cas, je veux savoir ce qu'il a en tête. Il faut l'empêcher de nuire davantage. J'ai un truc à te confier. Les données de son téléphone peuvent nous intéresser. Copain de fac de Münster, celui avec qui tu joues aux échecs. Il est bien directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Mmh. Le ministre peut rappeler ses policiers à l'ordre. À ton avis, pour quelle raison ces hommes ont embarqué Marie? Ils se sont trompés. C'était probablement une erreur. Tu ne peux pas en être certaine. Si. Tu peux vraiment exclure l'hypothèse que Marie soit impliquée dans cet attentat d'une quelconque manière? Oui. Non, comment? J'en suis sûre et certaine. Et même si elle était impliquée, il n'y a absolument aucun fondement légal susceptible de justifier que les hommes de König l'enlèvent comme ça pour l'emmener dans un lieu inconnu. Alors toutes les voies de recours te sont ouvertes. Tu peux obtenir sa libération par une ordonnance de référé. Mais comment? Il est évident que le BKA veut occulter cet enlèvement. Je me souviens très bien de la jeune stagiaire qui a débuté ici il y a 16 ans. Qui rejetait tout arrangement et toute forme d'indulgence. Qui refusait tout compromis. Notamment avec les nantis, l'élite économique, les fonctionnaires. Et aujourd'hui, c'est précisément cette femme qui vient me voir pour me demander des privilèges et des passe-droits. C'est le seul choix qui me reste. Le BKA et le ministère de l'Intérieur se contrefoutent de Marie et de ses droits. Désolé, ça doit se faire dans les règles. Mes fonctions m'interdisent ce genre d'écart. –
dans les règles. Est-ce que tu te souciais autant des règles il y a... combien de temps ça fait ? 9 ans, quand tu as présidé ce procès contre Alexandra Baer, ton amour de jeunesse. J'étais la seule à connaître votre histoire. Eh bien, tu aurais dû te récuser immédiatement. Tu étais partiale. Elke, je te préviens, tu es en train de t'aventurer sur une pente très glissante. Et elle a obtenu l'acquittement. Attention, cette allusion pourrait être assimilée à... à du chantage ? Ouais. C'est exactement ça. Si tu ne veux pas que cette histoire s'ébruite, tu dois m'aider. Ok. Entendu. Pourquoi j'ai du mal à te croire ? Jette un coup d'œil aux journaux et demande-toi qui de nous deux a un souci de crédibilité. Je peux vous être utile? Oui. Je peux avoir votre téléphone? Merci. Allô, c'est Elke Seberg. J'aimerais qu'on se voie, s'il vous plaît. À l'avenir, vous allez devoir vous habituer à prendre aussi des décisions difficiles. Inutile de vous soucier des décisions que j'ai à prendre, Monsieur Koenig. En revanche, si vos hommes continuent à agir avec autant de légèreté, vous pourrez jeter votre nouvelle logique aux oubliettes. Je connais très bien Madame Seberg. Elle est capable de remuer ciel et terre et c'est ce qu'elle va faire. Exact, elle en est parfaitement capable, Monsieur. Ça n'a échappé à personne, c'est pour ça qu'il fallait m'appeler. Vous venez de le faire, alors maintenant, laissez-moi m'occuper de son cas. Bonne journée. Qu'est-ce que Seberg est allé faire dans cette boîte de nuit? J'en sais rien, elle est partie avant que j'arrive. Pourquoi? Et merde! Il m'a bouffé mon billet de 10 euros! Quelqu'un sait comment ça marche? Y a personne pour m'aider? S'il vous plaît, monsieur Koenig. Non mais certain. En quoi puis-je vous être utile? Il m'a avalé mon billet de 10, je comprends rien. Oh, super! Les femmes et la technique. Attendez, je vous offre une boisson. Qu'est-ce que vous voulez? Jus de pomme, thé glacé, eau plate, eau gazeuse, limonade, jus d'orange, jus de fruits, multivitamines. Ça va aller. Merci en tout cas. Andreas? Attends. Tu faisais bien partie de l'équipe qui était chargée de surveiller Ashmui. Vous saviez qu'il avait une bombe sur lui? Il y a eu un ordre d'interpellation? Pourquoi tes questions me paraissent louches? Ce qui est louche, c'est que tu t'enfuis comme un gosse de 10 ans. Est-ce que je t'ai déjà fait un sale coup, Andreas? Il y a deux types qui se pointent. Qui embarquent une fille qu'on soupçonne aujourd'hui d'être une terroriste. Et vous les regardez faire? C'était les ordres. Vous l'avez suivi? Et vous l'avez emmené où? Merde, Bourg, tu vas vraiment trop loin. D'accord, vous l'avez suivi, c'était les ordres. C'est quand même bizarre. Les hommes du rang ne connaissent pas les détails. C'était pareil avec toi. Alors c'était un ordre de Koenig. Bonne journée. La fille a été emmenée à Rammstein? Il
ressemblait à un jeune aristocrate élancé, hautain et fatigué, avec des yeux ombrageux et profondément rêveurs, dont l'expression de lassitude contrastait de façon saisissante avec la rougeur brillante et morbide de ses lèvres charnues à l'extrême. C'est en ces termes que Thomas Mann décrit le visage du pharaon Akhenaton dans son roman Joseph et ses frères. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Seberg ? Je vais vous confier mon histoire. Ah bon ? Et il faudra que je cite des dossiers d'enquête confidentiels ? En exclusivité. Il faut que vous m'aidiez à retrouver ma fille. D'accord. Pas de problème. Et qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un enregistrement sur lequel on voit Marie se faire enlever. Par le BKA, probablement. C'est sur ce DVD ? Oui. Bon, j'ai compris. C'est précisément cette statue qui lui a servi de modèle. Certains traits caractéristiques du visage du pharaon Akhenaton ont certainement... Les gens vont devoir risquer leur vie et vous n'aurez pas d'autre choix que d'enfreindre la loi pour les aider. Demandez à vos collègues de me lâcher. Oraim ne fera rien pour vous. Attendez, comment vous savez que j'ai rencontré Oraim ? Et Enskint non plus. Comment vous savez que je l'ai rencontré ? Vous avez disparu dans son bureau. Juste après, Koenig a reçu un appel et il m'a demandé ce que vous étiez allé faire dans cette boîte de nuit. Il ne sait pas que j'ai vu la vidéo de l'enlèvement. Vous ne pouvez pas me demander de rester les bras croisés. Tout juste 4 heures après l'attentat, il y a eu un vol d'hélicoptère non enregistré de Berlin à la base militaire de Rammstein. Une jeune femme était à bord. Marie est à Rammstein ? À mon avis, Koenig l'a fait emmener à l'étranger par ses amis américains. Mais comment ça ? Il l'avait emmenée à l'étranger, ça veut dire quoi ? Il est possible que ce soit une détention secrète. La première ordonnée par l'Allemagne. Vous voulez dire que ma fille est interrogée dans un lieu secret ? Où elle est enchaînée, enfermée et sûrement torturée ? Mais c'est trop dur pour elle, elle s'en sortira pas, elle tiendra pas le coup ! Où est-ce que vous l'avez emmenée ? Où est-ce qu'elle est ? Je veux savoir où elle est ! Dites-moi ce que vous avez fait de ma fille ! J'en ai aucune idée ! Vous avez pas le droit de faire ça ! Vous n'avez pas le droit de laisser faire ça ! Ma fille ! Ils ont enlevé ma fille ! Koenig pense encore contrôler la situation. Il a fait en sorte que vous soyez diffamé par les médias. Personne ne vous croira. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Restez en dehors de tout ça. Koenig doit être sûr et certain que vous n'êtes pas une menace pour lui, sinon... Sinon quoi ? Il fera tuer Marie, c'est ça ? Non, mais... Bientôt, j'en saurai plus. Il faut rassembler des preuves. Ensuite, on la retrouvera. Oui. Thank you.
Schneider, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle discute avec Enskind, le journaliste. Oui, c'est elle. Où vous avez eu ça? Vous en êtes sûr? Oui, absolument. C'est où? Dans le nord-est de la Pologne, près d'une prison officielle dont une aile a été utilisée par les Américains pour enfermer des détenus fantômes. En Pologne, c'est... c'est pas très loin. Vous ne pouvez pas être certaine que c'est elle. Bien sûr que si, j'en suis certaine. Écoutez, je dois donner ça à Bourg. Il lui faut des preuves. Il a dit qu'il allait la sortir de là. Bourg est un alcoolique invétéré, et tout le monde le sait. S'il devient dangereux pour qui que ce soit, il sera tout de suite viré. Alors je dois y aller. Je vais aller en Pologne retrouver ma fille. Ok. Laissez-moi jusqu'à cet après-midi pour organiser ça. Le mieux serait d'aller vous promener avec une amie. Salut, Anna. Je reviens dans une seconde. Oui. Allô, c'est moi. Le colis est parti pour le centre de tri. Il faut que vous me donniez quelque chose, n'importe quoi. Quelques faits que je puisse jeter en pâture aux journalistes. Il pose un peu trop de questions au ministre. Comme je viens de vous le dire, ça demande du temps. C'est un travail de longue haleine. Ça fait déjà un certain temps que vos collègues interrogent Marie Seberg. Vous devriez avoir des résultats. Puis-je vous demander comment vous vous y prenez? Concrètement, quelle méthode utilisez-vous pour l'interroger? Il vaut mieux que vous n'en sachiez pas trop. Quel genre de procédé? Privation de sommeil? Décharge électrique? Waterboarding? Marie Seberg ne sait rien. Vous avez embarqué la mauvaise Madame personne. Madame Fallman. Quel est notre objectif? La sécurité pour un maximum de nos concitoyens. Pour y arriver, et ça, on le savait tous dès le départ, il faut être prêt à faire quelques sacrifices. Si on renonce maintenant, on anéantira le nouveau concept qu'on s'est donné tant de mal à développer. Et bien entendu, il faudra s'asseoir sur notre dignité et supplier les Américains et les Anglais de nous donner les précieux renseignements dont on a tant besoin. Tout en critiquant publiquement leur méthode. Reconnaissez que c'est très hypocrite. Attention, je n'ai jamais dit qu'il fallait renoncer. Mais vous avez commis une faute, et vous devez la réparer. Bien sur le répondeur de Marie et Elke Seberg. Nous ne sommes pas à la maison. Laissez un message après le bip.
Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles Elke Trappe. Tu es membre de la Croix-Rouge internationale et tu fais partie d'une délégation qui vient faire une visite à la prison à 10 heures. Tes collègues auront 2 heures de retard parce que leur voiture sera tombée en panne. Tu dois être sorti de la prison avant qu'ils arrivent. Ok, donc ils laissent entrer les gens de la Croix-Rouge internationale. Ils n'ont pas le choix, ils y sont obligés par la Convention des droits de l'homme. Même au camp de Guantanamo, ces visites sont autorisées. Regarde. Ça, c'est la liste des détenus que vous venez voir. Ta fille est emprisonnée dans le quartier secret situé dans l'aile ouest. Tu dois te débrouiller pour trouver un moyen d'y entrer. Mais c'est pas possible, comment je vais faire ? Fie-toi à ton instinct. Tu sais comment fonctionnent les prisons et la justice. Plus tu auras du culot, mieux ça se passera. Tom t'a donné un appareil photo. Oui. Tiens. En voilà un qui est plus discret. Ici, c'est l'objectif. Et là, c'est le bouton du déclencheur. Ok. Quand tu trouveras Marie dans sa cellule, il faudra que tu la prennes en photo avec l'appareil que Tom t'a donné, mais aussi avec celui-ci. C'est très important. Quand tu sortiras, ils vont effacer toutes les photos qui se trouveront sur l'autre appareil. D'accord. Si jamais ça tourne mal et que tu te fais arrêter, la Croix-Rouge internationale dira évidemment qu'elle ne sait pas qui tu es. Pour votre Seigneur. Merci. Heinrich, arrête. Es-tu malade? Attention, je n'ai jamais dit qu'il fallait renoncer. Mais vous avez commis une faute, et vous devez la réparer. Tu m'as enregistré. C'est illégal. Je ne suis pas certain que tu sois le mieux placé pour parler de ce qui est légal. Tu vas tout de suite libérer cette fille. Et ensuite, tu vas démissionner. Oui, monsieur ? Faites venir tout de suite Birkner et Haussmann dans mon bureau. Merci. Alors ? Ça y est, tout est arrangé dans ton petit univers ? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Ils se font exploser dans la capitale. Ils décapitent des gens qu'ils considèrent comme des infidèles. Ils nous renvoient tout droit au Moyen-Âge. Et c'est moi que tu tiens pour responsable? Tu as conscience de ça? On ne combat pas le mal par le mal. Désolé, mais t'as rien pigé, Heinrich. Qu'est-ce que j'ai pas pigé? Même tes copains américains ont arrêté depuis des années de torturer des gens. Mais tu racontes n'importe quoi. Ne sois pas si naïf. Arrêtez-le. Bourg ? Il compromet nos opérations. Arrêtez-le. Mmh.
vous croyez vraiment qu'on n'a rien de mieux à foutre? Votre nom ne figure pas sur la liste officielle. Et en plus, vous êtes venue toute seule. Nous voulons juste lui parler un instant. Vous dites nous, mais vous êtes seule. Je dois vérifier ça. Comment Seberg a pu quitter Berlin sans qu'on la voie? Alors là, c'est un vrai mystère. On n'a pas arrêté de la surveiller. Aucune idée. Qu'est-ce que Bourg vous a raconté? À quel sujet? Et Elke Trapp, je suis de la Croix-Rouge internationale. Joli stylo. Sur la base de renseignements fournis par les services secrets britanniques, les policiers du BKA ont soupçonné Ashmui de planifier un attentat. Ils ont donc décidé de l'enlever et de l'emmener en Pologne pour l'interroger et le torturer. Marie Seberg et Khalid Ranaslan étaient tous les deux enregistrés dans les fichiers du BKA. Ils fréquentaient la même mosquée que Yassi Ashmui et se trouvaient par hasard sur les lieux de l'attentat. C'était leur seul tort. Ces indices ont suffi au BKA pour faire enlever Marie Seberg. Quand Ashmui s'est rendu compte qu'il était surveillé et filmé, il a aussitôt déclenché sa bombe. Il est donc clair que l'imprudence et le manque de discrétion des hommes du BKA ont incité le terroriste à se faire exploser. Elke Seberg, la mère de Marie, est également introuvable. Nous savons maintenant qu'elle est en Pologne. Vraisemblablement dans la même prison que Marie. Elle a voulu partir à la recherche de sa fille. Ce matin même, nous avons transmis au ministère de l'Intérieur toutes les preuves dont nous disposions. Nous demandons au ministre et au BKA de prendre toutes les mesures nécessaires pour que Marie et Elke Seberg soient bien traitées et libérées sans délai. Tout comme ces terroristes avec leur barbarie font beaucoup de tort à l'image de l'islam, le ministère de l'Intérieur et le BKA, en s'abaissant à de telles méthodes, portent préjudice à notre idéal d'une société démocratique et libre reposant sur l'état de droit. Merci beaucoup. Mes compliments. Vous avez fait vite. Thank you.
faut le corps d'ici, tout de suite. Allez, dégage! Bonjour. Alors, elle va mieux? Oui. Mais là, elle dort. J'espère que ça ne vous dérange pas trop que je... Non, c'est bien. Je vais mettre ça dans sa chambre. Lors d'une conférence de presse qui vient juste de s'achever, le désormais ancien ministre de l'Intérieur, Andreas Raumer, a déclaré qu'il se sentait incompris. Il a démissionné en même temps que sa secrétaire d'État, Valérie Palmen. Son successeur semble déjà tout désigné. Raymond O'Hagan, un homme de loi et d'ordre très expérimenté, devrait s'imposer face au camp libéral et faire son entrée au gouvernement aujourd'hui. Dans une première allocution, il a insisté sur la nécessité d'une nouvelle logique dans notre politique de sécurité. J'ai besoin de prendre l'air de toute urgence. Selon lui, nous ne disposons pas actuellement d'un arsenal juridique adapté à la lutte contre le terrorisme. Run and gun, give and go. I'd like to believe, but I need to know. There's a sound inside my body. There's a voice inside my brain that's telling me you're probably